Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On reprend notre petite partie qui se passait pas trop mal, mais on avait beaucoup de taf. Du coup, j'ai lancé un petit peu de ravitaillement pour tout le monde, on va dire. Des petits mouvements un petit peu à droite à gauche. L'objectif, ça va être d'avoir deux forces. Une qui va aller chercher par ici, de préférence ce truc-là rapidement, et éventuellement les autres après, on verra comment ça se passe. Sachant qu'il va y avoir, je pense, là on en a une à mon avis, ouais, il va y avoir des tourelles un peu partout, donc il va falloir les allumer. Donc là on va plutôt être sur une force d'infanterie, je pense, en tout cas pour neutraliser de l'infanterie. Et ici on va aller chercher les chars, avec une autre force. Alors techniquement on aurait moyen de rentrer là, se faufiler ici, passer par là, mais je pense qu'on va passer au large, essayer de prendre sous le pont. Donc la première phase c'est de se re-remplir, hein, parce qu'on a quand même pas mal de véhicules qui sont un peu à sec. Ici j'ai envoyé les rangers, ceux-là là, récupérer cette remorque de carburant. Si elle est pleine, on va aller faire le plein de nos véhicules qui sont dans le coin et de tous ceux qu'on renvoie en renfort par là-bas, qui sont en train d'arriver. Et j'ai aussi envoyé les deux véhicules de ravitaillement se refaire le plein ici pour qu'après ils puissent emmener leur ravitaillement ici et qu'on se remplisse, parce que mine de rien on est un peu à sec. Ici on va essayer de mettre, je pense, en embuscade les SAM, ceux qui ont des compétences anti-vol, parce que là c'est ici qu'il y a les aéronefs, donc on va essayer de faire une zone anti-aérien dans le coin là avec nos différents SAM. C'est parti, on enlève la pause histoire que tout le monde se recale. Donc ça va bouger un petit peu dans tous les sens. Tac tac tac, eux ils sont 3. Ah, on a allumé un truc là, là il y a quelque chose qui se pointe. Ok. Visiblement il nous manque un petit peu de vision là. On l'a vu arriver un petit peu tard. C'est pas grave, toi t'as du carburant, parfait, tu vas venir. Ici, ce sera notre zone de ravitaillement en carburant. Alors là, il y a notre nouveau Abrams avec son gros canon qui se recharge. Non, on a déjà bien entamé les réserves. Hein. Le HMTT qui va se recharger. Toi, t'es en train de te recharger aussi. Ici, j'ai récupéré l'artillerie parce que j'aimerais aller la poser plutôt par là-bas. Il y a moyen qu'on en ait plutôt besoin sur des unités légères. Je pense qu'on va la mettre genre là pour le moment. On avait un Bradley en route par ici. Alors là j'ai envoyé lui se faire re-remplir. On va plutôt l'envoyer là. J'ai l'impression qu'on a défoncé la tour là. Il y a un truc qui a dû tirer et puis l'allumer. Ça me convient. Poilu 1, non. Où sont nos Abrahams? Toi t'es où? T'es en train de revenir. Oula oui, c'est un peu le bordel. Où je t'avais posé là. Ok, donc t'es plein. Va donc là-bas, on va se servir de toi pour l'assaut par là-bas. Pareil, l'artillerie mobile par ici. Il va nous falloir quelques Bradley avec des taux quand même dans le coin. Normalement on en a un ici qui est bien à sec d'ailleurs. On va t'envoyer te retaper là. Là on va descendre l'appareil, on va rentrer ça pour récupérer nos 3 mecs pour qu'ils puissent opérer les véhicules où il y a besoin de plusieurs personnes, tant qu'à faire. Ah là c'est du SAM, parfait. Donc vous sortez, vous allez là. Et l'escouade de rangers, elle est pleine. Elle a quoi? Formation au sabotage du C4. Alors le C4 je m'en suis jamais trop servi. Efficace contre toutes les unités terrestres, en gros faut miner le terrain et appuyer sur le bouton pour que ça pète, pourquoi pas. Ça peut permettre de piéger, genre on pourrait piéger le pont par exemple, hein, si on a moyen de s'approcher assez proche. Ici on va laisser une force qui va se charger de nettoyer ça probablement avec nos tourelles. Nos tourelles lourdes d'ailleurs, en parlant de ça, où est-ce qu'elles sont nos tourelles? Tac tac tac, tant qu'on sort du monde, ça c'est de la légère. Toi, t'es en train de venir, t'es où? Ah oui, t'es là, ok. T'es ici et je t'ai envoyé te ravitailler. Toi. On va te ravitailler.
Ça, c'est la tourelle légère, je l'ai envoyée côté infanterie. Toi, t'as récupéré ta tourelle. On va aller la poser ici, dans l'idéal. Niveau portée, ça donne quoi le... Le canon là. Le 8, la P. Ouais, il y a quand même une bonne portée, hein. Donc si on la pose genre même pas forcément là mais ici ça devrait suffire, c'est parti. Allez, on va en poser une là, une là, une là. La dernière elle est ici. Bah parfait, t'es déjà en place. Comment est ton munition? Ah non, faut que tu la récupères. Pas de soucis, ok. On va les faire dépouler un peu. Voilà, toi tu sors. Vous sortez. Toi, tu prends ce truc là. Toi, tu prends ce truc là. Toi, tu vas être rechargé là-bas. Là, on va redéployer ça. Et on a un MV fonctionnel. Vache! Ils se sont fait plaisir là. Les petites tourelles là. Là on a perdu notre châssis. Ok, très bien, on est immobilisé, fantastique. C'est parti, réparons. Le HMTT, il a mangé chaud. Alors je suis d'accord, ils avaient fait beaucoup de ravitaillement. Ah oui, ça s'est re-rempli. D'accord, ça se re-remplit au fur et à mesure, c'est excellent ça. Le Bradley, on voit pas d'autres trucs. Bah oui, bah, on va se faire carrément plaisir. Où est notre deuxième camion de ravitaillement là? Toi t'es là. Et toi, bah non mais toi va te remplir. Vous êtes tout seul. Bah est-ce que là on n'aurait pas plusieurs mecs? Si on a même une escouade de... On a une escouade de lance-roquettes là. Pas déconner. Ah, de lance-roquettes, n'importe quoi, de pilote de char. Allez-y, remballez. Remballez. Hop, vous sortez. On a certainement d'autres trucs à vous faire. Ennemi spotted, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Une araignée, ok. Vous, à l'abri. Vous êtes sorti, là on a du Sam. Ces Sam là, j'aimerais bien qu'il soit dans un bâtiment par ici. Là on a déjà du Sam. On pourra les mettre dans un de ces trucs, mais c'est vraiment trop mou. On va les mettre par là. Il va à faire le taf. Là, on redéploie. Clairement, il faut remplir tout ça là, il faut qu'on remplisse nos camions de ravitaillement. Ah merde, celui-là il est vraiment vide de chez vide. Dommage ça. Bon, on va remplir celui-là au maximum. Ici notre camion de carburant il est arrivé. Yes. La tourelle, on va la déposer juste ici. On va avancer avec tout le monde. Ça c'était l'artillerie. Tu vas la poser là et tu vas réactiver ton tir. Vas-y, va faire ton plein. Qui c'est qui reste derrière là? Ah oui, c'est eux que j'avais envoyé récupérer ça. Okay. Réparez-moi ça. Les petits ingés. Vous, avec votre portée limite, vous pouvez rester là si vous voulez. Ça me dérange pas. Là du coup c'est à sec. Là c'est bientôt à sec, est-ce que ça va se remplir? Je pense que non, hein. Je pense que là on a vraiment... gérer au maximum. Non, c'est assez. Ok, très bien. Donc toi, tu vas venir par là. D'ailleurs, on va peut-être y aller moins agressivement. Tu vas venir jusqu'ici d'abord.
Là, on a une petite taux. On va aller la remplir le plein. On a une autre taux ici. Excellent. Une nouvelle cible ou un char. Ok, on a réussi à shooter son canon. C'est parfait. Par un taux. Parfait. On a un taux qui est parti pour rien de la part de qui de eux. Tant pis, c'est comme ça. Bah écoute, toi, ce que tu vas faire du coup, c'est que tu vas te déployer là pour recharger les taux. Hein. Là, niveau munitions, on est comme. Là, on a consommé quelques smokes. Ici, on a consommé quelques taux. Donc ça, c'est des trucs qui sortent au fur et à mesure. Hein. Donc plus on traîne, plus il va en sortir. Mais on a quand même encore un peu de temps. Vous, vous allez dans ce véhicule-là pour vous recharger. Toi, t'as pris des dégâts. Pourquoi pas. Alors là, on a quoi ici? On a du taux, de la grenade frag. C'est plutôt pas mal. On va commencer à se préparer à passer par là. Toi, tu vas aller... juste, faut que t'attaches ta remorque. Vas-y, attache ta remorque. Le système d'artillerie va reculer. Ici, on a un striker, le transport blindé, un autre striker, le transport blindé. Avec de l'infanterie dedans et un peu à sec. Toi, t'es un peu à sec. Ça, c'est ceux qu'on gérait du côté de Saxon. Hein. On va les envoyer par là-bas. Hop. C'est parti. Si vous pouvez réparer vos roues, tant qu'à faire. L'Abrahams. Viens par ici. Il nous faudrait. Voilà, un autre Abrahams. Excellent, on a vu un truc. Qu'est-ce qu'on a vu? Juste putain, là. Une tourelle, ok. Elle tire sur notre Abrahams. On passe à la portée de l'Abrahams. Voilà, ça c'est fait. Excellent. Toi t'as récupéré ça. Parfait. Donc toi t'as récupéré ça. On va le poser ici. Et toi tu vas poser la dernière ici. Voilà. Là, s'il y a quelque chose qui sort par ici, on peut l'allumer. Et nous on va aller s'occuper de cette entrée. Hop là, en avant. Toi, tu peux rien faire. Tu t'es pris un tir perdu visiblement. En avant. On a nos SAM qui sont en position. On va prendre. Eux, on peut pas les foutre si voilà. Dans un Bradley, ce serait parfait. Okay. Ouais, tu prends des risques toi là. Putain. Je t'ai envoyé où là? Je t'ai envoyé là-bas et tu t'es dit que c'était plus simple de passer par là. Alors après c'est vrai que c'est pas plus mal que ce soit ce genre de véhicule qui... Attends, on va reculer par contre. Est-ce qu'on leur laisse un Bradley en défense? Pourquoi pas. Là on va se déployer pour recharger eux avec le peu de ravitaillement qui nous reste. Ici on en est où? Notre véhicule de ravitaillement, il est arrivé. Parfait. On va se déployer. Recharger un petit peu nos pimpins. Ils sont à portée. Non, ils sont pas à portée. Sortez de là. Notre assaut petit à petit. Là, c'est parti. Vous allez aller rejoindre les squads d'assaut. Là, on a l'infanterie qui va pouvoir y aller. Merde, qu'est-ce qu'il faut rentrer dedans? Le truc est à l'arrière, coincé là. Voilà. Ok. Ça me paraît pas mal. On a du véhicule lourd. On a du véhicule un peu moins lourd. On va essayer de progresser. On va laisser peut-être lui ici. Avec les taux. On va progresser avec les deux Abrahams pour commencer, voir un peu à quoi ça ressemble.
Ici, on a la plateforme qui est là. Là, on est plein. On retourne ici. Transport blindé. Parfait. On est rechargé. Il manque un peu d'infanterie ici, en vrai. Mais bon, a priori, on peut faire 100. On va récupérer ici, on va récupérer les rangers là. Arrangez ça, vous. Hop, sortez de là. Allez dans le transport. Donc ici, on voit rien. Ok, avançons. Ah, on voit du monde. Ok, on voit les tourelles. Oula, beaucoup de tourelles. Halt. C'est quoi ça? Ok, il y a du monde. Il y a du monde. Arrête-toi, on y va avec tout le monde. On va aller voir un petit peu. Là, on va essayer de poser une tour genre en hauteur, là, rapidement. Putain, oui, il y a du peuple. C'est carrément défendu ici. Ça, c'est quoi? Ils ont un lance-grenade, visiblement. Ok, on les a un petit peu excités, là. En arrière, tous les deux, reculer. Oula, qu'est-ce que tu fais toi? Putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un peu de mal avec les ordres du pont, je pense, surtout qu'on est un peu sur le chemin là. Vous passez par en haut. La tourelle avec des roquettes, on va se détendre. Faut qu'on se déploie plutôt. Ça c'est fait. Là, on a une nouvelle tourelle. Toi, t'es bien. Un petit peu bourrin, mais t'es bien. Il y a une araignée qui arrive, c'est quoi? C'est une anti-char, anti-araignée. Ok, ça va. Le Bradley, il faudrait qu'il avance. Alors là, du coup, on est un petit peu exposé en termes de proximité, hein, clairement. Ça aide pas. Ça aide pas. Où est notre Abraham sans endommager? Celui-là. Je peux pas le sélectionner. J'aimerais que tu avances. Niveau de carburant faible pour qui? Pour toi? Non. Pour toi? Bah tu vas faire ce que tu peux avec ce que t'as. Lui on l'a placé là, donc avec son ATGM il va pouvoir nettoyer. Toi on va te placer ici également. Voilà. Très très bien. Lui il nous charge là. Ok, on a une position pas trop dégueulasse. Encore une spider anti-aérien, ça devrait aller. Là derrière c'est une anti-char, attention là. Il va falloir que le Bradley se place un peu mieux. Toi pareil, viens de l'autre côté plutôt de préférence. Essayez de pas donner d'angle de tir à l'anti-char avant qu'on puisse nous lui tirer dessus. Voilà, excellent. On a gâché un taux, mais c'est pas très grave. Alors, c'est pas mal. On va faire une petite passe de réparation rapidos. Couvert par les copains. Alors là, il y a un autre truc. C'est une tourelle tout là-bas. Ici, il faudrait qu'on avance également. Du coup, on a quoi pour mener la charge? Un Bradley, on a notre Abrams ici. Je pense qu'on va descendre déjà avec eux en bas de la colline pour permettre à nos taux de d'avoiner les tourelles qui voudraient faire chier. Voilà. Excellent, ça c'est fait. On a encaissé un peu, on répare. Toi tu vas prendre le lead. Ensuite, on a des mecs d'infanterie là. Ça c'est du taux, on a les frags. On va avancer. Ici, je pense qu'on va pouvoir rentrer
avec les Abrahams. La tourelle là-bas qui va éventuellement faire un peu chier, mais on devrait pouvoir se la faire. Alors, foiré. Elle a des taux. Vous voulez pas tirer sur ça? Merde, j'ai l'impression qu'il est un petit peu planté lui. Ok. On avance. Vous, vous descendez. Putain, mais qu'est-ce que tu fais toi? T'es en train de te faire fumer débilement. Ah putain, il a bugué. Il peut plus tourner sa tourelle et lui, il peut plus tirer plus non plus. Alors c'est problématique là, si nos deux Abrahams sont dans le mal, ça fait un peu chier jeu. Ah bah non mais c'est pareil, je t'ai dit d'aller en arrière. Putain la vache. Y'a personne qui peut lui tirer dessus là? Genre elle est en dehors de la map, c'est quoi le délire? Si c'est ça, c'est problématique. Non, je peux pas la viser. Ok, très bien, bon, tout le monde ressort. Bah oui, vous takez fire, forcément vous takez fire, mais... Du coup on va sortir eux, tant pis. On va aller en mode fufu. Hop, vous allez jusque là. Là, en position, toi t'as l'air d'être bugué, donc vas-y, répare comme tu peux. Là on a plus de munitions du coup, on a tout cramé, mais on a vu hein, les taux ils explosent tout seuls par là. Par contre du coup, si on comptait faire le tour, c'est mûr. Alors, elle tire jusqu'à quand? C'est jusqu'à où cette tourelle là? Tout à l'heure, je pouvais la sélectionner, mais. Et là, il y a un char qui sort, et c'est la mort. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Une surcharge. L'infecter. Prenez le contrôle de tous les chars. Infecte le système ID system with a worm. Ah ouais. Just remember, that worm's gonna turn those tanks against everything they see, including other wireheads. But that ouais, still means us too, until the wireheads shut the whole place down. De toute façon, les seuls qu'on avait, c'était loin. Donc, du coup, on va certainement pas passer par là, parce qu'il y a l'autre foutue tourelle. Clairement. Après, on n'a pas le choix en vrai, parce que si on veut les emmener là, on va être obligé de passer là. Ok, c'est-à-dire que ce qu'on va faire du coup, c'est sauvegarder et recharger en espérant que ça débug. Ça nous est arrivé une paire de fois des fois là, qu'on puisse plus tirer sur les ennemis ou qu'il y ait des petits bugages de ce genre. Hein. Sinon, bah tant pis, on rechargera la partie plus loin. En espérant que ça débug notre char et compagnie. Allez, c'est parti, ça charge. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, après, si les objectifs qu'on a, du coup, c'est juste de désactiver les trucs, et que notre objectif principal, c'est d'aller là... Ces trucs-là, c'est secondaire, quoi. On a infecté le virus, on a mis le virus, c'est bon, quoi. Donc là, on peut dire que le principal objectif, c'est de grimper là-haut. Et vu qu'on n'a pas d'aérien, eh ben, il faut passer par l'arrière. Pas le choix. Donc il faut qu'on allume ce truc. Est-ce qu'on peut le viser? On peut le viser. Essayons de le viser. Ah, il bouge pas. Putain. Fuck. Et eux, du coup, ils sont tout seuls maintenant. Il n'y a plus personne. Ce qui est un peu con. Toi, tu devais lâcher ta tourelle ici. Parce que tout seul, j'ai pas envie de perdre les squads, donc je pense qu'on va la laisser là. Eux, ils sont encore deux. Là on a plus de... Toi, vous êtes une escouade de conducteurs de char. Sors de là toi. Toc. Donne la main.
Ah oui, en fait c'est pour ça, il était tout seul, il pouvait pas tirer, c'est pour ça que son canon était était stuck. Là on voit des gens, ok, des petits chiens, on devrait je pense les allumer sans trop de problèmes. Et qui vont passer leur nez, voilà. Et là on voit quoi? Une araignée, ok. Bon, on va essayer d'aller neutraliser 2-3 trucs quand même par là. Araignée s'est fait défoncer ici. Alors, on a plus de munitions ici, ouais. On a tiré un sur les tourelles à couteau, évidemment. Il y a une plateforme d'appui de feu bien placée là. Ok, on se fait prendre de flanc un peu partout. Oui, avec Bob le pirate. Ouh, le Humvee là, il a été un peu agressif. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Un spider qui s'approche. Et là, il y a la tourelle qui nous emmerde, la plateforme d'appui de feu. Là, celle-là, on l'élimine. Ok, très bien. Toi, snipe-moi ça. Est-ce que nos taux sont à portée, là? Non, ça, c'est du plasma, donc go. Et toi, ouais, toi, t'es plutôt bien placé. Voilà, ça, c'est fait. La plateforme d'appui de feu se déplace. Réparez-vous. Pareil, là vous pouvez plus tirer. Réparez. Réparez. Doucement toi. Okay. Spider anti-aérien. Ils ont bien couvert leur, leur zone de feu, hein, mine de rien. Waouh, putain, les canons là de 109, ils font tellement de zones de dégâts. Dès qu'on leur donne une vision, c'est eux là qui tirent des trucs comme ça. On voit plus leurs munitions, on voit pas leurs munitions, mais... Ok, elle se replie. Écoute, ça me va. On va rentrer avec toi. Et l'autre Bradley, il est là. Toi, tu vas nous balancer un peu de fumée par là-bas, dans le doute. Et là, il continue de se faire sniper par l'artillerie, c'est excellent. Ok, voilà, comme prévu, on se fait allumer. Hop, les petits fumigènes des familles. Le problème, c'est de la toucher, hein, parce que forcément... Là, on a vu un truc, là. Je sais pas ce qu'on a vu, mais on l'a vu. Ok, visiblement, c'est de la petite infanterie, j'ai vu du petit point rouge. Toi du coup, tu peux pas te réparer plus. Viens donc par là, vous, vous allez avancer. Toi tu vas avancer aussi pour lâcher, pour sortir et puis aller neutraliser ça. On va avancer un peu avec le Abrams pour être sûr que c'est clean. D'ailleurs c'est pas clean, il y a du monde là. Putain, en plus ils ont des sauts. Une arrière. Ouh, comment il nous a... Comment il nous a sifflé aux oreilles sur nous. Et là, il y a du monde qui revient, là. Putain, qu'est-ce que vous foutez, là, vous? Demi-tour. Oh, le con. Ding. Ah oui, on coinçait la route, là, c'est ça. Donc, du coup, vous avez fait le tour. La bonne idée, quoi. Spider, elle fait mal, hein. Viens donc par là, toi. Là, c'est pareil, on se fait allumer par ce truc-là. On est à sa portée, visiblement. Il faut le shooter. Ça, c'est beaucoup trop faible portée. Ça, il y a peut-être moyen. Essaye d'avancer. Pareil, on va avancer. Noto. On va les avancer genre par là, histoire qu'elles aient un angle large. Mais suffisant. Oula, dommage, c'était bien tenté ça. Avec la fumée.
Ici, il faut sortir. Désolé, vous allez lâcher le machin. Et vous allez là. On a réussi à la toucher un peu quand même. Ok, parfait. Elle est gérée. Vous reculez. Laissez passer les copains. Oh, ici, il y a un char qui est sorti. Et du coup, il tire sur ses potes. Ça, c'est cool. Peut-être qu'il va réussir à détruire la tourelle. Alors... Seize control of any units in production. You got it. Long as you keep a hacker there and protected, those Wireheads infantry units are on our side. Parfait. We made it. Alors du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se replier hors de vue. Ce serait pas mal qu'il arrive à détruire sa propre tourelle en vrai, même s'il a l'air d'être en train de perdre. Ouais, ok, il se fait défoncer. Et on l'achève. Voilà, ça c'est fait. Excellent. Ok, donc ici du coup, tant qu'on les laisse là, eux, ils vont s'occuper de tenir ce truc là. Donc ici on aura les spiders éventuellement à gérer. Ah, la plateforme de tir elle revient. Par là. Ah, il y a un aéronef qui sort là. Vous mettez-vous au sol tant qu'à faire. L'aéronef il a disparu. Il nous allume. Alors nos sauts du coup sont trop loin, je crains. Ouais, il va falloir qu'on les fasse venir. Parce que là, il peut nous allumer pendant un petit moment. En plus, on est bien groupés. Oui, sortez les rakam. Pareil pour vous, au sol. Toute petite mitrailleuse qui fera le taf. Oh, coucou toi. D'accord, t'as décidé de venir par là. Ok. Ouais, du coup, on va peut-être les laisser là. Non, revenez par là, vous. Ce serait très bien. Est-ce qu'il veut genre lâcher du monde par là? Il peut, hein, après ça me dérange pas. Il y a juste toi là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te replier par ici. Ouh, on en voit du monde là. Pourquoi on voit autant de monde? Ah, parce qu'on a les rangers qui nous donnent une très belle vision. Ah ou non, c'est nos alliés. C'est nos petits homoncules alliés qui font le taf. Excellent. Bon là, on va l'allumer, rassurez-moi. Ouais, on l'allume. Ça y est, j'ai pas réussi à le voir, mais on a allumé l'aéronef. Ah, tiens, bah y a même un saut ici qui est perdu. Ok, l'araignée c'est fait. Là, il faut qu'on du coup on avance. On va essayer de voir si on peut se faire les saloperies là. Saloperie de tourelle. Tire. Oui, excellent. Magnifique snipe du char Abrams d'Apogéen là. Ok, donc là on avance. Viens jeter un œil à l'angle. Qui c'est qui a plus de carburant? Ouais, ici il commence à être un peu en mal. Il y a du monde, il y a quoi? Un char. Une autre tourelle, des RF6, ok, très bien, en arrière. On va monter une embuscade plutôt. Toi t'es à sec en vrai, donc est-ce que ça sert bien à quelque chose que tu sois là? On pourrait peut-être descendre. T'as quoi? T'as un sniper à l'intérieur? Ouais. Merde, on a pris. C'est la tourelle qui fait le plus mal, hein, mine de rien. Elle est capable de nous tirer dessus en plus.
Allez, là, dès qu'il arrive, là, faut me l'allumer. Je me dis pas qu'il va, il va pouvoir tirer d'ici. Recule encore un peu plus. Sérieusement, là, vous êtes pas capable de le shooter, là, d'ici? Merci. Putain. Allez, on répare. Toi, tu vas aller shooter ça. Là, on a des REF 6, mais avec nos véhicules lourds, ça devrait le faire, je pense. Toi, tu peux pas tirer, pourquoi? Ah oui, parce qu'il n'y a plus qu'une personne à l'intérieur. Bah, du coup, ce que vous allez faire, vous... Sortez. Là, l'objectif, c'est de shooter cette tourelle. Hein. J'annonce. Qu'est-ce qui bouge au-dessus hein? Une plateforme de, d'appui de feu, ok. Là-haut, là-bas, une plateforme d'appui de feu. Ah, on n'a plus de munitions avec toi. Ça tombe bien. De toute façon, tout le monde sort. C'est ici que ça se passe, globalement. Je pense que de l'autre côté, on a suffisamment de puissance de feu. On peut même aller en rajouter un peu si on le souhaite. Alors en avançant ça. Toi, niveau portée, ça serait pas mal que tu avances un peu également. On va venir te rechercher avec lui. Donc ici, vous descendez. Vous allez par là-bas. Vous allez là-bas. On a réussi à shooter la tourelle, parfait. Prenez un meilleur angle là pour me défoncer ces connards là. Cours de munitions pour toi. Et là on a pris une petite avoine de quelqu'un. Probablement la plateforme d'appui de feu. Ouais, après c'est vrai que c'est pas forcément le véhicule idéal en frontal. Donc on met lui. En vrai, on souffre un peu hein, globalement. Venez par là vous. Rater notre tir, dommage. Ok, c'est fait. Ici, prenez ce truc là. Vous allez caler là-bas. Les snipers, ils vont pas nous être d'une grande utilité malheureusement dans le contexte. On va les réembarquer. Shobby Snipey, elle est pas sur ce flanc. Chouchou. Tout va bien. Elle est très probablement utile, mais... C'est juste que c'est pas le bon endroit. Ça y est, il nous voit. Terminator là, ils avoinent quand même hein, sur les véhicules, même les véhicules lourds. Tiens d'ailleurs, ce que tu vas faire toi, non, ce que tu vas faire c'est que tu vas avancer. Prenez cette zone. Voilà, on a plus réussi, en plus on a réussi à se faire ça. Voilà, donc maintenant on va pouvoir allumer les cons. Un peu plus en sécurité. Aussi, ils sont debout au milieu de la zone, là, au milieu de la foule, là. Faut me les shooter, là. Rigoler ou quoi? Je sais qu'il y a un nuage de fumée, mais quand même. On a 4 ou 5 mitrailleuses lourdes, des lance-grenades. Ça y est, on s'en est fait un. Ah, les tirs dans tous les sens, les grenades, c'est bon. Allez, le dernier là. C'est ouf les Terminator REF 6 comme ils sont résistants quoi. Ils se prennent des grenades, des tirs et tout. Il n'arrive plus à tirer, cela dit. Ça y est, il est mort. On retape, on va avancer avec toi. Il faut qu'il y ait encore une connerie là-bas pour couvrir. Ici ça bouge. Non, c'est une tourelle, ok, c'est bon.
Vous êtes bien comme il faut. On a nos deux trucs de secours là, les systèmes d'artillerie lance-roquettes si besoin. Ah merde, putain, lui, il commence à être un niveau de carburant faible, ça devrait le faire pour la fin de mission. Toi, tu vas te mettre par là avec ton lance-grenade. Non, par là plutôt, des fois pour se tirer par-dessus le bâtiment. Toi, tu vas te mettre par là. Toi, t'avances. Pareil, l'Abraham. On va avancer un peu lui là. On va mettre l'Abraham, l'autre ici. Et on va progresser avec le Bradley. Ça y est, on a ressorti des alliés là. Ok, bon, on va pas monter la pente avec le Bradley, on va monter la pente avec un Abrams. Voir un peu ce qu'il y a. Ok, on déclenche pas l'enfer en grimpant déjà. C'est la bonne nouvelle. Eux, ils vont progresser et nettoyer, hein, mine de rien. Du saut, du lance-grenade, du sniper. Je pense que c'est un sniper. Once they start, they can't stop it. Otherwise, the wireheads will see what they're trying to do. We gotta protect these nerds with everything we got. Let's go. All units, protect the hackers. You got it. Nerds are starting their thing. D'accord, donc il suffit de les approcher en fait. D'accord, intéressant. Intéressant, intéressant. Ok, donc on va laisser ça ici. Donc globalement, on peut mettre du monde dans les bâtiments, je pense, là. Ouais, genre les snipers, pour le coup, ils vont être assez intéressants dans les zones, là. Donc vous, vous allez là. Vous allez soutenir par ici. Bon. On va laisser une petite unité d'infanterie derrière, encore du sniper dans ce bâtiment. Ça c'est plasma pierre. C'est parti. On parie un coup. Donc globalement on a pas mal nettoyé, hein. Je pense que Légion va nous prendre pour la vraie le vrai truc d'attaque, mais ah, vous êtes sorti vous. Oui, mais vous aviez plus de munitions, je crois. Ouais. Bon, je sais pas ce que je comptais faire de vous du coup. Je me suis gouré, je pense, j'ai confondu. Vous, go. On va déployer l'artillerie un peu plus proche. Là je pense que soit ils sont hors de portée, ouais non ils... Ah non, c'est l'armement qui a été endommagé, mais ils ont encore de la munition. 15%, it's working. The channels are starting to fill up with noise. Ah, là il y a un. Ok, il y a du monde qui arrive par ici. C'est quoi ça? Une plateforme d'appui de feu. D'accord, donc il va nous falloir du. Il va nous falloir de la défense là. Toi t'es à sec, tu peux revenir éventuellement tout là, refaire le plein. On n'a aucun endroit où poser les snipers, si éventuellement dans ce bâtiment là. Là, si on pouvait avancer nos snipers, nos ATGM là, ce serait pas inintéressant. Pareil pour vous, allez par là-bas, on va mettre 56 personnes dans ce bâtiment, on va pas se gêner. Est-ce qu'on a d'autres véhicules tôt dans le coin? Non. Il y a toi qui est équipé en plasma. Tu peux venir là. Là, on pose l'artillerie, on a nos deux artilleries. C'est mis à portée là. Donc ça tire. Oh putain! Ah ouais! Vous voyez pas ça comme ça? Ouh, ça a picoté. Ça va picoter même pour vous là. Stop. Lâche ton truc. Toi tu te replies. Vous au sol. Vous. Les tanks.
parfait, parle-moi meuf. Il faut replier le Bradley, il va être trop bon là. Il faut replier l'Abrahams, il faut que toi tu pousses. Il faut replier l'Abrahams là. Ouais, là je l'ai pas vu venir le truc derrière là. C'est la plateforme de... Ah, j'ai confondu, je pensais que c'est l'artillerie, ça. Tu nous mets tes rangers à disposition. Bah, parfait, c'est bon. Ici, au sol, ici. Au sol, c'est la fin du MV. Ok, donc il va falloir qu'on protège par là. Mes hommes sont en route, votre position, faites-en bon usage. Et bah écoutez, on en fera bon usage. Ah, j'avais des traces de chenilles et tout là dans la descente, excellent. On en fera bon usage, mais lors du prochain épisode, parce que celui-là, du coup, est suffisamment long, largement assez long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.